Nouvel opus, nouvelle rubrique, et parce que le hasard fait bien les choses, voici encore une belle histoire de femmes, au pluriel, de deux femmes pour ce livre consolé de Beata Mwibiei Meres. C'est l'histoire d'une cinquantenaire nommée Ramata qui traverse dans sa vie une période de bouleversement et vient, après de belles études et un travail prestigieux, de changer d'itinéraire professionnel en devenant art-thérapeute. Métisse rwandaise, mariée à un Algérien, mère de deux enfants, elle semble parfaitement intégrée dans une société française au sein de laquelle elle a coché toutes les cases de la réussite. Mais c'est en intervenant dans un EHPAD et en s'attachant à une vieille dame noire, seule, isolée par la maladie d'Alzheimer, qu'elle se met non seulement à réfléchir à son parcours, mais aussi à celui de cette malade, consolée Astrida. En effet, cette vieille patiente, la maladie œuvrant, a perdu le français, cette deuxième langue apprise, pour ne maîtriser plus que sa première langue, celle de son Afrique natale que personne ne comprend ni n'identifie. Ramata va se lancer dans une enquête pour aider Consolée à sortir de son extrême solitude, mais aussi comprendre d'où elle vient, quelle a été sa trajectoire. À travers deux récits mêlés, celui de Consolée, dépossédée de son prénom et devenue Astrida, et la réflexion que Ramata va porter sur sa propre vie, mais aussi celle de ses parents et de ses propres enfants, le lecteur va voyager dans l'existence de ces Français venus d'ailleurs, encore attachés par le biais de la langue à leurs origines, et tissant des liens et des racines avec leur nouvelle patrie. Un beau roman de vie croisée, une réflexion humaniste sur l'immigration et ses difficultés, sur l'intégration, ses réussites et ses écueils, le tout porté par une écriture pleine de douceur et de tendresse. Vous connaissez mon petit dicton, prenez soin de vous, ne subissez pas vos vies. À très bientôt pour de nouveaux détours. Au revoir.